Bonjour. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Resident Evil 7, le DLC Note Hero. Alors j'ai dû désactiver la tourelle par la force, non sans quelques grenades qui n'ont servi à rien et un pistolet, parce qu'en fait, je regardais ma rediff. Pour une fois, ça m'a servi. Parce qu'il me semblait bien que ça c'était une caisse. Du coup, voilà, j'ai pas lu ce qu'on avait dedans, mais on a eu des munitions et je suis content. Voilà. Bah attendez. Ouais, voilà. Non? Si, on a sûrement eu ces munitions-là. Du coup, on peut reprendre notre poursuite de Lucas. Parce qu'on était sur la poursuite de Lucas. Alors que le DLC est sûrement quasiment terminé, hein, mais... Je sais pas combien de temps il nous reste. On verra bien. Non, par contre... Voilà, merci. Je voulais cette arme, en fait. Et c'est parti, hein. Lucas, il était parti par là-bas. Bon... Bon, oui, j'ai fait tout le tour. Oui... Oh non! C'est vrai qu'il y avait ça, et ce problème là. Est-ce que ça marche? Visiblement non. Alors j'ai la solution de courir aussi, hein. Voilà. Mais bon, cette solution elle me plaît aussi, hein. On va se l'avouer. La solution de tout casser. Ça me va. Hop. Allez, c'est parti. Poursuite de Lucas. Et les casques que j'ai. Tu devrais être mort. On a tes emails. On sait que tu balances des infos à quelqu'un. Ça sent la reine. Ça te regarde pas, Chris. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur notre petite Evie. Beaucoup de gens. Tes amis, les connections, sont au courant de tout ça? Je suis sûr que tu sois du genre à pardonner. Ça, c'est mon problème. Laisse-moi m'occuper d'eux. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Non, t'inquiète, là, je loot, hein. Petit bâtard. Petit bâtard. C'est pas moi. Impossible. C'est pas moi. Non, non. J'arrive pas à y croire. J'ai pas touché. Il va bien falloir. C'est terminé. Non. Pas question. Ferme-la et accepte ton sort, Lucas. T'aimerais bien, hein? Oh la vache. C'est le bruit de flux. Je crois qu'on a un petit problème. Oh merde. Mayday. 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 Oh, plus toi, en fait, hein. Sans déconner, je suis au courant. Comme si j'avais pas été prudent jusqu'ici. Non, ça peut être pas du tout. Mais c'est un autre détail. Oui. C'était bien une arène, hein. Alors. Déjà, on commence. Je viens de voir le nombre de balles que j'ai. Sacré bestiole, hein. Oup. Ok. Ok. On va prendre notre temps, hein. Je suis là, du con. Ah merde. Ouais. Ah, je claque tout, hein. Oh, pas content. J'ai. Ah merde.
saturation. Merci du conseil. Donc phase 2. Belle parade. Moi je bourrine, hein. On m'a dit de bourriner, je bourrine, hein. Redescends. Monte ton cœur. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Sans deck. J'avais pas remarqué. Ah bah ouais. Non. Deux secondes, pas taper. Lucas, faut mourir. Erreur. Erreur, faut mourir. Jamais je pars à la deuxième. Ni la... Ah ouais, trois coups. Moi je sais, il est mort, ouais. Il me reste des balles, hein. Attendez, hein. Attendez, on est sûr, il est mort? Ah ouais. Ouais, il y a une cinématique, ouais. On est sûr. Vous voyez, il est pas sûr. Un peu gluant, mais appétissant. Enfin. Chris, le transfert des données est presque terminé. Comment j'arrête ça? Tu vas me faire chialer. Quelle est la situation? L'installation est sécurisée. Même les nouvelles espèces sont neutralisées. Oh. Oh. Alors je rentre. Le mur d'enceinte est en place et opérationnel. Ok. Tout est bien qui finit bien. Espérons. Chris, il y a un appel pour toi. Il faut que tu reviennes au camp. Compris. C'est bon, j'arrive. Bon, alors, comment je fais, moi? Bon, vous aurez que deux épisodes. Voilà. Épisode 3, il sera épisode 2, mais mission accomplie. Bon, on est mort 4 fois, dont 2 morts volontaires. Enfin, une ou deux, je sais plus combien il y a de morts volontaires. Mais... Attaque Paris, on en apparaît que 2. 1. Ah. 1. Ah. Ok. Et 7 pièces sur 10. Superbe. On a obtenu le viseur B, ouais. On a obtenu des trucs, hein, voilà. Voilà. Très bien. Et voilà, ok, bah le DLC est fini. Bon, bah c'était sympa, hein, voilà. En vrai c'était sympa, c'était pas très long. Mais, après je sais plus comment c'était vendu à la base, hein. Moi c'est vrai que j'ai tout eu d'un coup, donc voilà, mais... bon... Voilà, hein. Voilà quoi, hein. Je sais pas si le DLC était vendu... Ouais, si le DLC était vendu, c'est un peu chaud. Quoique après, enfin, si c'est un season pass. Parce que. Tous ces contenus là. Non, non. Non. Jack est affamé. Alors ne le faites pas attendre. Qu'est-ce que je fais? Apportez de la nourriture à Jack pour le rassasier. Plus vous lui remplissez l'estomac, plus votre rang sera élevé. Ennemi à terre, temps supplémentaire.
Au secours, mais qu'est-ce que c'est que ça? À l'aide. Non mais le, voilà, si tous les DLC étaient vendus ensemble, pourquoi pas? Aujourd'hui c'est le 55e anniversaire de Jack. Ah, on joue Mia, incroyable. Pour fêter cela, la famille a préparé un repas spécial, mais ça n'a pas suffi à rassasier ce bon vieux Jack. C'est là que vous entrez en jeu. Trouvez la nourriture cachée dans le niveau et apportez-la à Jack pour satisfaire son appétit d'ogre. En vrai, je vais peut-être vous faire juste... Pourquoi c'est aussi long? Mais attends, ça joue pas là. J'avais même pas vu qu'il était déguisé en clown derrière. Vous pouvez trouver toutes sortes d'aliments délicieux un peu partout dans le niveau, ramasser la nourriture, apporter-la à Jack. Vous pourrez le nourrir en sélectionnant les aliments dans votre inventaire. Chaque fois que vous donnez à manger à Jack, sa jauge de satisfaction augmente. Remplissez cette jauge au maximum pour compléter le niveau. Je suis en train de dépérir. Mais arrête. Salut Jack. Alors il faut que je trouve de la bouffe. Ouais, on va faire ça et ça fera l'épisode 3. Tu aimes les épices, pas vrai? Tu peux en rajouter toutes sortes, boulet, bœuf, même ragoût. Aussi bonne soit-elle, les épices seules ne suffisent pas à remplir l'estomac. Remplis-moi l'estomac. Papa est vraiment furax, sent-il la faim, dépêche-toi de lui trouver à manger avant qu'il ne soit trop tard. Si tu parviens à le rassasier rapidement, tu auras droit à une récompense spéciale. Parlant de récompense, attaque et tue tes ennemis. Ouais. Tu veux savoir pourquoi le fait d'attaquer tes ennemis arrête le compte à rebours? C'est juste comme ça que ça marche, ok? Zoé. Cette pièce est la zone de départ, un compte à rebours commencera dès que tu quitteras cette zone. Avant de partir, tu ferais mieux de jeter un coup d'œil au coffre pour prendre quelques armes et habiletés avec toi. Toi équipé, il est temps de partir à la recherche de nourriture pour papa. De le rassasier avant qu'il ne soit trop tard. Papa est du genre pas commode quand il a faim. Ouais, il va me courir après, quoi. En fait, au bout de 15 secondes, il me court après, c'est ça? Je vais adorer. Non, je suis pas prêt, non. Je suis en train de dépérir. Tu t'arrêtes. Ça va aller, Jack, hein. Je sais pas si ça va aller, en fait. Pas de la bouffe, là? Bon, alors... Ah, attendez. Remplis-moi l'estomac. Du coup, il faut que je prenne le moins de trucs possible techniquement. Non mais en vrai techniquement, je suis censé pas prendre trop de trucs, j'imagine, histoire de d'avoir de la place, mais Salut papa. C'est parti. Ah mais par contre, si j'ai un lag, au secours. Au secours, le jeu arrête de laguer. Le jeu est en PLS. Au secours. Elle est où la bouffe? Je sais pas pourquoi je fais ce jeu, moi. Pourquoi j'ai lancé ce jeu? Bon voilà, en tout cas, voilà le contenu que vous pouvez... Non mais, meurs! Oh oui, du vin! Voilà, papa il sera content. Voilà pourquoi il fallait prendre le couteau. Ah non, c'est 14 minutes! On est large! Comment ça j'ai pas assez de place? Comment ça j'ai pas assez de place? Je suis en train de dépérir. D'accord. Ah bah ouais, j'ai plus le Boo Blaster. Non mais tu peux prendre une arme? Meurs, saloperie. Ouais, j'ai déjà plus de place. Donc là, je rentre. Je pose ça. Je pose ça. Je pose ça. Ah oui, il y a un sub 14 que je ferai jamais. Ok. Bon, on regarde comment ça marche, hein. On essaie de comprendre. Du coup, j'ai des munitions de fusil pour rien. Il a rip-hop. Moi le rip-hop ça me va. Ok. Donc de la bouffe. J'aurais dû prendre le couteau.
Ah mais non, mais ils sont 12 milliards. C'est vrai. Arrête. Sale bait, hein. Il me reste de la place. Ils sont rebou. Ça va? Je te dérange pas. Trop proche. Distanciation sociale, tout ça. Plus de balles. Non mais tout se passe bien, hein. Il est marrant ce jeu. En vrai il est marrant ce jeu. Trop proche. Du coup là c'est la toute petite maison du tout début. Bah ouais. Ah j'avais pas vu ma barre de vie. Incroyable. Plus de balles. Tombe bien, j'ai plus de balles. Ouais, ouais. Alors. Non, parce que le temps il passe pas du fou là. Alors. Vas-y, vas-y, papa. Du coup, où est-ce que je peux combiner les objets? J'ai la dalle. Pourquoi c'est aussi long? C'est super. Ouais. Il en aura jamais assez. C'est donc ça le secret de papa. Ouais. Ouais, on va dire on va faire ça comme ça. Hein. Deux bouteilles. Bon en gros il faut connaître la route par cœur. Après, ah oui, sachant que non, ils avaient. C'est la première map en fait. C'est la map que j'ai choisi au début ça, l'annexe. Quand même efficace, hein. Hein? On est couché. Mais ouais, en fait, quand tu connais la map par cœur, je pense qu'il y a moyen d'aller vite au truc. Bon. Et ben, en fait, faut vraiment pas prendre beaucoup de trucs. En fait, faut avoir qu'une arme, non? Oui, oui, oui. Tiens. Ouais, bouffe ta bouteille, ouais. Voilà. Bonus de temps. B. Ah, rang... Non, rang C. Non, voilà, parce qu'on a eu rang B, du coup on est ça, ok. Et du coup t'as des bonus, qui te permettent, j'imagine, du coup de mieux y arriver. Ah, il y a beaucoup de maps, hein. Bah écoutez, voilà. C'était l'anniversaire de Jack. En vrai, je pensais que ce serait plus récent que ça. En vrai, vas-y, on recommence. Allez, hein, c'est le bonus, hein. C'est vraiment le bonus pour compléter l'épisode 3. Hein. On a fini le DLC, du coup on essaye les autres modes de jeu à la con. Oui, apporter de la nourriture à Jack, oui. Voilà, tuer les ennemis. Mais du coup, ouais, il y a vraiment une gestion de... D'accord. En plus, ouais, après c'est vrai qu'un changement de map en plus à chaque fois, peut-être pas l'idéal. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu travailles bien, tu auras droit à quelques habilités. Les habilités sont comment dire? Sont des choses qui ont effet sur toi lorsque tu les portes. Pour ton plat d'habilité, tu peux devenir plus puissant. Mais attention, certaines habilités ont aussi des effets négatifs.
Autre chose, plus tu plus tu portes d'habilité et moins tu peux transporter de nourriture. Ah, ça sort d'un truc, d'un... oui, oui, jeu vidéo, lol, MDR, on est méta. C'est quoi clairvoyance? Permet de voir où sont les objets. Augmente votre attaque, augmente votre défense. J'ai la dalle. Ok. C'est aussi long. On va juste prendre ça. Ok. Eh bah c'est parti. C'est parti. Je suis en train de dépérir. Raté. Ça commençait bien, hein. C'est faux. Ok. Une porte bleue. Et c'est normal qu'ils soient en cosplay. Eux aussi font la fête. Eux aussi font la fête. D'accord. Cherche la bouffe. On cherche la bouffe. Ah. Le roi de la visée. Je suis full. Je suis full en inventaire. Du coup, c'est le moment de rentrer. Ah, on a le truc qui fait plein de points. En fait, j'aurais peut-être dû le prendre. Peut-être le bon moment. Ok. Non mais j'imagine qu'il doit y avoir tout un tas de méta, hein, pour mieux faire le truc dans le jeu, hein. Mais bon. Moi, je vais essayer juste de perdre le moins de temps possible. En éliminant des ennemis. Ça me paraît bien. Tiens, Jack. Tiens, 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 de la bouffe. Ah non, attends. Ah, je peux pas. Mais attends. Au secours. Vite. Ah, et bon, j'ai plus rang A. Mais ça m'a l'air méga chaud, hein, pour avoir les vrais rangs. Mais bon. Je suis reparti de ce côté, hein. Après, j'imagine que t'as des moyens de tryhard. Mais est-ce que... Après, est-ce que voilà... Est-ce que finalement... ce jeu... vaut la peine vraiment d'être tryhardé. Non mais c'est marrant, en vrai c'est marrant. Et ça te permet de revoir un peu les maps... C'est... De toute façon, tous les mini-jeux, je crois, quasiment sont... Enfin, tous les mini-jeux, tous les... Oui. Toutes les... Comment ça s'appelle? Ouais, tous les... Sale bait. Ouais, tous les extras sont en rapport avec la famille Baker. Ça m'a fait flipper, hein. C'est passé. Ça me va, c'est passé. Oh non! C'est pas juste ça, madame. Ok. Moi, je tente, hein. Tu es le prochain. Ouais. Allez, là, je fais le tour. Il est à ce petit fanfaron. Je peux combiner ça avec ça. Tiens.
Au secours. En fait, il faudrait que je trie. On va voir ce que je peux combiner ensemble. J'en veux plus. Au secours. Au secours. Tiens, bouffe. Ouais, bah. Let's go, hein. Let's go par là. Quoique j'ai déverrouillé la porte bleue aussi. Mais bon. La distanciation sociale. On ne rappellera jamais assez. C'est important. Ah. J'ai naïvement cru que c'était l'ennemi qui me donnait l'accès. Mais pas du tout. Ok. Là, y'a quoi? Après, j'ai peut-être assez de points là sur moi. Faut mourir, merci. D'accord. J'adore. J'adore ça. Et ça donne moins de secondes, ça. Moins de temps au compteur, là. Hein. D'accord. T'as un petit rip-hop? Petit rip-hop de monstre? Petit rip-hop. Non mais, s'il vous plaît. Les 7 minutes, là. On les aura pas, hein. Et le rang B. Abonné au rang B, hein, visiblement. Là, je pense que ce qu'on a avec sur nous, c'est suffisant. Alors. Ça, tu combines avec ça. Ça, tu combines avec ça. Et ensuite, voilà, va bouffer. Voilà, bouffe ton champagne. Bouffe ta marmite et bouffe ta bière. C'est pas fini! Bouffe ton poivre, hein! C'est quoi cette merde? Ah, salut, je suis. Bâtard! La porte bleue, elle était où? Il y avait un deuxième. Hein. Quoi? Qui parle? Qui m'a parlé? Mais... Au secours! Je me fais prank? What the fuck? Mais j'entends un truc tout proche. Ça me trigger. Bon. Normalement on a assez sur nous. Faut juste retrouver le chemin. Voilà. Mais... Trouver. Mais ça va pas porter de temps, on va même pas voir le rang B. Superbe. C'est pas là. Je suis perdu. J'ai réussi à me perdre. Hein. Sans orientation sur 20.
Non mais meurs. Au bout d'un moment. Ça va être un peu chaud là. Quatre cinquante-neuf. Super. Rang C. Rang crevard. Rang connard. On n'a même pas débloqué. On n'a même pas débloqué ça, quoi. Bon, voilà. Écoutez, ça fait 30 minutes, mine de rien. Hein. Donc, bon, hein, voilà. C'était le mini-jeu avec Jack. La prochaine fois, on fera le vrai DLC. Hein. À savoir la fin de Zoé. End of Zoé. Qui est un DLC qui nous met dans la peau du frère de Jack, si je dis pas de bêtises. Voilà. Quelques semaines après, pas un héros. Donc c'est bon. C'est bon. Non mais... Je veux cliquer au-dessus, je clique au mauvais endroit. Attention, ça va pas démarrer le jeu. Mais et voilà, donc ça se déroule après par un héros. Et on va savoir ce qu'il en advient de Zoé, visiblement. Donc, bah écoutez. C'est effectivement le dernier membre de la famille Baker dont on ne sait rien. Voilà. Bah, je vous dis à la prochaine pour du coup la suite de Resident Evil et d'autres let's play, d'autres vidéos, tout ça. Portez-vous bien. Bye bye.